Dès 6h du matin, ça s'active dans la nouvelle cuisine centrale de Cayenne. 20 cuisiniers pour 5000 repas par jour. Alors, pas le temps de traîner. Alors là, je suis en train d'ouvrir les boîtes hein, pour le chaud, pour le menu d'aujourd'hui. Les boîtes, il faut les laver, désinfecter et après les mettre en bac pour emmener dans la cuisine. Une cuisine dotée de tous les équipements dernier cri pour la restauration à grande échelle. Elle mutualise les moyens des trois précédentes cuisines de Mirza, Châtenay et de la rénovation urbaine. La nouvelle cuisine centrale de Cayenne nous permet à moyen et long terme de réduire nos coûts de production et puis à plus court terme de faciliter énormément toute la logistique liée à notre prestation. Et effectivement, c'est une cuisine qui va nous permettre d'augmenter notre capacité de production. Cette nouvelle structure a vocation à servir les repas des 35 écoles maternelles et primaires de la ville, ainsi que les crèches, jardins d'enfants et centres de loisirs municipaux. Au fur et à mesure, on aura encore plus d'inscriptions pour la cantine. Pour le moment, on est pratiquement à 4 800. Donc je pense qu'on pourra augmenter jusqu'à 5 000. Et par contre, pour la capacité, on peut aller jusqu'à 10 000 repas. La nouvelle cuisine centrale est également pourvue de 2 réfectoires à destination des écoles maternelles et primaires de Montlucas. Il y a 8 ans, les anciens réfectoires avaient péri dans un incendie.